vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo. No despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí. Sufre, llora como yo lloré y llora, 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 llora. Siri. No, 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 no. Pourquoi vous l'avez tué? Pourquoi vous l'avez tué? Quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Activez-vous, mettez vite le corps dans la voiture. Montez dans vos voitures, allez, on y va. Non, non. C'est une grosse tempête. Et vous savez que quand il pleut dans ce village, un malheur survient. Hé, Pachita, arrêtez un peu. Comment ça, va y avoir un malheur parce qu'il y a de l'orage? Ces choses-là ne sont pas écrites dans les livres, mais qu'est-ce que vous en savez? Marie et toi, vous ne lâchez jamais vos téléphones. Tu devrais en avoir un, grand-mère. Ouais. Je n'ai pas de temps à perdre, moi, avec ces choses-là. Allez chercher des bougies, on va bientôt plus avoir de courant. Elles sont là. Allez! Oh, Pachita. Par hasard, vous savez si Isa est bien arrivée à Mexico? Isa? Oh, ça t'intéresse? Elle ne l'appelle pas Isa. C'est Mademoiselle Isabella. Oh, grand-mère, on est entre amis, là, non? Ouais, en plus, je l'appelle comme ça depuis qu'on est enfants. Mais vous n'êtes plus des enfants. Et je veux que vous soyez respectueux. Je voulais juste savoir si Isa va bien. Sache qu'elle est bien arrivée. Tout à l'heure, j'ai entendu la patronne appeler Monsieur Raphaël. Il lui a dit qu'avec Mademoiselle Isabella, ils allaient à une fête. Mais... ils viennent juste d'arriver. Oh, grand-mère, tu connais pas Isabella. Elle reste pas enfermée comme une huître. En ce moment même, elle doit être en train de danser avec Rafa. Enfin, Monsieur Raphaël. Voilà! Pardon, 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 pardon. Tiens, tiens, voilà Joël et Gaby. Salut, salut. On étudie ensemble. Coucou. Salut, Angélie, la cousine de Joël. Salut, salut. Salut, salut. Enchanté. Salut, Joël. Moi c'est Raphaël. Enchanté. Elle c'est Isabella. Elle vient d'arriver d'Ishamal. Isama? Non, non, non. Ishamal. C'est de là qu'on vient tous les trois et on se connaît depuis l'enfance. Ouais, ouais. Nos pères sont amis depuis toujours. Ah, oui, David est le fils du maire. Mon père et celui de Rafa sont éleveurs, les meilleurs de la région. Alors on n'a qu'à trinquer à Ishamal, d'accord? Ishamal, Ishamal. Santé. 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 Et toi, Angela? Tes parents doivent être importants ici. Pour moi, ils le sont beaucoup. Ils ne sont pas riches ou quoi, mais grâce à leurs efforts, j'ai étudié dans les meilleures écoles. Angela est si intelligente qu'elle a obtenu une bourse. Ah, alors à Angela et à ses super parents. Hein? Oui. Santé. Oui. Santé. À tous. Santé. Alors Isabella, ça va? Tu t'es installée en ville? Non, je suis encore à l'hôtel avec mes parents, mais je commence à chercher demain. Ah! Joël a fini ses études et il va quitter l'appartement qu'on partage. Il est proche de la fac. Si ça te dit, on pourrait être coloc? Oui. Ouais.
Peut-être. Eh bien, trinquons aussi à ça. Vous êtes d'accord? Ouais, ouais, allez. Oui. Allez, bon, au colloque. Ouais. Santé. 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 Ouais. Je veux danser. Allons danser. Moi et moi aussi, allons danser. Viens danser. Fini le travail. David, viens sur la photo. Frérot. 1, 2, 3. Oui, mon amour, je rentre à la maison. J'ai été retenu, mais crois-moi, ça en valait la peine. Ça a été une bonne nuit. Vraiment incroyable. Oui, mon amour. T'es ivre. Enfin, sauf David qui a étonnamment presque rien bu. Est-ce que tu veux une bière? Non, non merci. De l'eau? Non. Raconte-moi plutôt ce qui se passe dans ta vie. Oh ben, c'est plutôt tranquille, tu sais. Un peu d'école, de révision, de fête. Faut faire la fête. Et? Tu vois quelqu'un? Oh non. Célibataire. Oh. Toi? T'as dû briser des cœurs en partant. Moi, non. Personne. Ah. Enfin, en fait, si. Je sortais avec quelqu'un. Que j'adorais. Mais bon, je me suis rendu compte qu'il est très, très différent de moi. Je le connais. Peu importe. C'est fini. Oh, arrête, je te crois pas, Isa. Ça te fait mal de penser à lui. Non. Et puis, il n'est clairement pas fait pour moi. Je vais vivre ici, étudier ici, et voilà, je le verrai plus. Écoute, je vais m'assurer que tu passes un bon moment ici. Tu verras. Je connais les meilleurs clubs de la ville, les musées, je t'emmènerai partout et tu rencontreras quelqu'un qui te plaira, c'est sûr. Sûrement. Bon, une bière. Sûr de pas en vouloir? Sûr. D'accord. Juana Banana! Oh, mais t'es complètement idiot!
Je t'ai apporté ce que tu m'as demandé. Voilà. Merci, Louis. Merci, merci. Je te rembourserai tout. Mais non. Le vétérinaire va bientôt arriver pour vacciner mes animaux. Et comme tu sais, ce mois a été... Oh, c'est pas vrai. Et pourquoi tu ne vas pas aux États-Unis avec ta famille? Pourquoi? Non, c'est mon ranch. Et j'y suis très heureuse. Mais ta famille s'en sort bien. Tu devrais y réfléchir. Non. Ce ranch t'apporte que des problèmes. Non. Mais ça va changer très bientôt. Ça va changer bientôt, ça va changer bientôt. En plus, c'est quand même à moi de décider, n'est-ce pas? Attends, je te dis ça parce que tu n'as même pas assez pour payer un maçon. Oh, j'ai élevé mes frères et sœurs seuls, Louis. Et si j'ai été capable de gérer ces fous, je peux certainement gérer ce ranch dont j'ai juste rêvé. Tu es têtu, Juana Panana. Et toi, tu es un très mauvais ami. Quoi? Un mauvais ami. Tu viens me porter malheur au lieu de me soutenir. Oh. Sérieusement, imagine un peu que je te dise d'arrêter d'aller pêcher ton tonton. Jamais. Oh. Ce poisson et moi, on a un destin, un lien étroit. Je vais y aller parce que vu comment il a plu hier, le fleuve va déborder et il y aura du poisson. On va au bateau? Allons-y. Allez. Je suis venu par le fleuve et j'ai accosté près de tes terres. Allez, viens. Avec ça? Non, pose-moi ça. Il est 6h du matin. Isabella n'est pas rentrée. Tu ne lui mets aucune limite. Pourquoi tu t'énerves? Elle a dit qu'ils arrivaient. On est là. Tu vois? Ils sont là. Pardon. Désolé. Tu rentres à 7h, Isabella. Tu m'avais promis de veiller sur elle, Raphaël. Mais oui, je l'ai fait. Je vais supposer que tu as tenu ta promesse de rester sobre. Je l'ai appelée 2 fois. Tu ne m'as pas répondu. J'ai rien vu, German. On n'entend rien dans le club. Mais écoutez, je vous jure que je n'ai pas beaucoup bu. Tenez, regardez. Peu importe, c'est sans importance du moment que vous allez bien. Maintenant que tu es là, on t'invite à déjeuner. Pour moi, c'est d'accord. Je connais l'endroit parfait pour guérir une nuit d'insomnie incroyable. C'est un petit marché, mais le menu va vous plaire, je vous assure. Non, on va plutôt déjeuner ici, au restaurant de l'hôtel. Il y a un chef français spectaculaire. Tu n'es pas d'accord, German? Tant qu'il est capable de préparer des œufs ranchero et le café des voleurs, pour moi, c'est bon. Ah, chérie, tes goûts raffinés. Viens, Raphaël. Elles vont se faire belles pour aller en soirée. Non. Et encore pardon pour l'heure tardive. Allez, Julia, pardon. Bye. J'arrive. Pardon. Oui, German. Tu as bu? Non. Sûr? Oui. Sur une jambe. Juana, franchement, j'espère que tu pourras bientôt payer des employés pour qu'ils t'aident au ranch. Ça viendra, oui. Tu verras, je crois vraiment en mon ranch. Oui, tu as raison. Bien sûr. Allez, Juana, on arrive, on y est, allez. Pousse-toi. Attends. Regarde. Quoi? Tu vois là-bas? Là. Viens. Ça va me rendre fou, là. Tu veux appeler qui? Et t'as l'air de mauvaise humeur. T'occupe, ça te regarde pas. Oh, moi qui venais te montrer des photos de tes amis Raphaël et Isabella. Vas-y, montre. Ah, tu vois pourquoi il faut pas me cacher quoi que ce soit. Et tu sors ça d'où? Ben, de l'application, idiot. Regarde. Je suis Isabella parce que j'aime sa façon de s'habiller, on dirait une artiste. Tu ne la suis pas? Non, mais tu peux me dire comment je fais pour voir ses photos? C'était facile. Tiens, tu vas là. Roberto. Et... Oui, patron. Va brosser Maharaja. Je vais sortir. Bien sûr, patron. Ouais. Bonjour, patron. J'ai parfois peur de Monsieur Toscano. Pas toi? Avant, ouais. Mais maintenant, j'ai plus peur d'autre chose. Oh.
Oh mon Dieu. C'était une sortie entre amis, David était là. Et en plus, tu n'as rien à exiger de moi. Alors notre relation, ça ne signifie rien pour toi. Je t'ai dit qu'on ne pouvait pas continuer, encore moins en étant si loin. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais venir te voir à Mexico. Non, mes parents ne me lâchent pas d'une semelle et tu le sais très bien. Écoute, ce serait mieux qu'on fasse une petite pause et le temps dira ce que ça peut donner, nous deux. Isa, tu joues pas avec moi, hein? Je te rappelle. Tu parlais à qui? À un type que j'ai rencontré hier, c'est rien. Je sens que tu vas être très populaire ici. Au fait, maman, je pense changer mon numéro de téléphone. Mes amis d'Ishamal n'arrêtent pas de m'appeler et ils me distraient, tu les connais. Tu es sûre que c'est pour ça? Oui. En plus, je vais supprimer mes réseaux sociaux et ouvrir de nouveaux comptes. C'est bien, chérie. Tu vas commencer la nouvelle vie que tu mérites. Fais juste attention à qui tu fréquentes, car c'est plus important que les études. Seigneur Dieu, la pauvre petite s'est cognée contre tellement de rochers dans l'eau. Venez, venez! Le vétérinaire est là. Ah, parfait, vous êtes là. Aidez-nous, s'il vous plaît. Elle respire encore. Sauvez-la, s'il vous plaît. Sauvez-la. Je ferai ce que je peux. Je dois d'abord l'examiner. Je n'ai pas de réseau pour prévenir Santiago. Ouais. Prends ma voiture et trouve-le. Ouais, j'y vais. Il doit être inquiet. Il faut prévenir les autorités. Oui, mais d'abord, sauvez-la. Elle n'est pas juste tombée dans la rivière. Cette demoiselle a une blessure par balle et je ne crois pas qu'elle survivra. Je vaccinerai vos vaches un autre jour. Oh, laissez tomber. Je dois y aller, j'ai passé beaucoup de non, temps je ici. Sais, je sais, merci beaucoup. Combien je vous dois pour votre aide? Rien du tout. Oh. Mais je vous préviens que si on me demande, je ne sais rien de cette femme et je ne l'ai pas aidée. Oui, mais vous l'avez sauvée. Oui, je sais, mais ce n'est pas important pour la police. Pour eux, c'est d'abord la paperasse, faire un rapport, ensuite il faut aller témoigner. Et si je n'ai pas de chance, je pourrais être impliqué. Et à mon âge, je ne veux pas de problème. Oui, bien sûr. Ici, personne ne dira quoi que ce soit. Merci bien. Merci. Oh. Oh, s'il vous plaît, sauvez Fernanda. Elle est tellement jeune et récemment mariée. Par pitié. Mon pauvre Santiago, qu'est-ce qu'il souffrira en la voyant ainsi? Alors? Et Santiago? Je l'ai trouvé. Il était dans sa camionnette. Notre ami est mort. Non, Luis! Wow. Comment ça va, fiston? Je suis très content de t'entendre. Salut, papa. Et toi, comment ça va? Très bien, très bien. Ici, tout va comme sur des roulettes. Au fait, Raphaël, tu as été à une fête avec Isabella hier? Ouais, avec David et des amis pour l'accueillir. Dis donc. J'espère que tu ne répéteras pas trop ces sorties avec elle. Papa, arrête, Isabella est mon amie.
Oui, je sais, mais je ne veux pas que tu négliges tes études. Non, 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 ça arrivera pas. Je me débrouille très bien, tu le sais. Je sais, mais je connais Isabella. Aussi, et je ne veux pas qu'elle te fasse perdre du temps. Écoute, je te promets que j'arrêterai pas d'étudier. J'adore ce que je fais et j'arrêterai pour rien au monde. J'ai confiance en toi. Raphaël, tu sais que tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Toi aussi. Je t'aime beaucoup, papa. Et vous serez à la fête de David ? Bien sûr. On va y aller. Allez, je t'embrasse. Je t'aime. Fernanda va toujours mal. Je pense que si elle ne va pas mieux demain, va chercher Monsieur Calixto pour qu'il dise au revoir à sa fille. Pauvre. Il a perdu son épouse et maintenant il risque de perdre sa fille unique. Mon Dieu. Oh, je n'arrive pas à... Merci. Et comment... Comment Santiago a-t-il pu mourir ? Il faut qu'on aille le sortir de la voiture avant que les animaux ne le sentent. Ce ne sera pas nécessaire. Pourquoi ? Parce que la voiture a pris feu dans l'accident. Et Santiago avec. Oh. Santiago. N'inquiète pas. Je vais t'aider à veiller sur Fernanda. Non. Je vais le faire. Si c'est tout ce que je peux faire pour Santiago, je veillerai sur sa femme jusqu'à la fin. Bien. J'ai pu conclure ce marché qui était en attente. Du coup, j'ai besoin que tu m'obtiennes tous les permis. Finalement, ce fameux Santiago t'a vendu ses terres ? Oui. Mais devine ce qui s'est passé. Il a eu un accident. Il est mort. Mort ? Ouais. Comment ? Il a eu un accident en allant à son ranch. S'il est mort, comment vas-tu obtenir ses terres ? Il a sûrement de la famille, un héritier. Non, le pauvre n'avait même pas un chien qui l'attendait. Mais par chance, j'ai un acte de vente pour ses terres. Il l'a signé et je vais le faire valider. Et il l'a signé quand ? Hier soir encore, tu me disais qu'il refusait de vendre. T'es sérieux, Antonio ? Tu as si peu d'imagination que tu ne comprends pas. Ou alors tu fais l'idiot. Une fausse signature. Voilà. Bien. Et comme il n'a pas d'héritier, il n'y aura aucune réclamation. Ce qu'il te reste à faire, c'est de me soutenir. Je ne pensais pas que tu irais si loin. Écoutez, monsieur le maire, la politique et les affaires sont le même bordel. Alors ne fais pas comme si tu étais une blanche colombe, d'accord ? Alors occupe-toi de mes permis. Santiago. Santiago. Mon amour, tu dois vivre. Tu dois vivre. Santiago. Santiago, non. Non, non, Fernanda, non. Non. Fernanda, calme-toi, Fernanda. Écoute-moi. Là, c'est moi. C'est Juana. Juana, l'amie de Santiago. Tu te souviens ? C'est moi. Juana ? Oui. Ils ont assassiné mon mari, Juana. Ils ont aussi essayé de me tuer. Que s'est-il passé ? Explique-moi ce qui s'est passé parce que ils t'ont tiré dessus. Et Santiago a eu un accident de voiture. Non. Non, Juana, c'est faux. Mon mari s'est fait tirer dessus. Et moi aussi. Il faut qu'on prévienne la police.
Doucement, doucement. On doit y aller. Oui, oui, oui. Oui. Doucement. Non, non, ne bouge pas. Non. Ces monstres voulaient nous tuer tous les deux. Ils nous voulaient morts. Chut. Essaye de te calmer. Essaye de te calmer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On m'a violée, Rowana. On m'a violée. Cet homme m'a violée. Je suis désolée. Tous les bleus que j'ai, c'est ce monstre qui me les a fait parce que j'ai résisté. Oh, Fernanda. Il m'a violée, Rowana. Je suis désolée, Fernanda. Je suis désolée. C'était horrible. J'ai senti sur moi le corps de cet homme. Il me touchait. Il me touchait et il me faisait toutes ces choses, l'assassin de mon mari. Oh, c'est terrible. C'est terrible ce qui s'est passé. C'est terrible. Je suis avec toi. Écoute-moi. Maintenant, tu vas devoir te relever pour pouvoir t'en sortir. Myriam, Louis et moi, on fera tout pour t'aider, Fernanda. Hein ? Hein ? Santiago. Mon Santiago. Je dois récupérer son corps. Je dois le voir, Juana. Il faut que je l'enterre. Je dois donner une sépulture à Santiago. Ne fais pas d'efforts, ne fais pas d'efforts.